Médaille de bronze au JO, Hugues Fabrice Zango s'est invité au palais présidentiel dans la journée du jeudi 12 août. Il est allé montrer au chef de l'État sa médaille qu'il a remportée de Tokyo, puisqu'il avait promis au locataire de Kossiam une médaille des Jeux Olympiques. Par rapport à cela, le président a été d'une oreille attentive, le président a accepté nous soutenir justement pour, dans ce projet-là. Et aujourd'hui, ce projet se concrétise et nous avons la première médaille olympique du Burkina Faso. Donc, je suis venu déjà le remercier et justement demander son soutien pour l'avenir, parce que l'avenir c'est 2024 et c'est dans 3 ans. Au cours du tête-à-tête avec le président du Faso, Hugues Fabrice Zango a réitéré son engagement au chef de l'État à faire de l'athlétisme un domaine rentable pour le Burkina Faso. Nous avons un potentiel également important en termes d'athlètes et que nous les préparons pour les Jeux Olympiques de 2024. C'est ce projet que nous avons présenté avec en plus la perspective d'ouvrir un centre de d'entraînement de haut niveau au Burkina Faso afin d'accompagner les athlètes et de pérenniser, disons, les résultats qui ont été engrangés à ce moment-ci. L'ambition de Hugues Fabrice Zango est de remporter la médaille d'or dans sa discipline aux prochains Jeux Olympiques qui se dérouleront en 2024 à Paris.